Yop tout le monde, c'est Gotaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, la partie c'est pas coucou tout le monde. C'est les Madu. Ça dit quoi l'équipe? C'est son intro pour les vlogs. Ouais la team. Ouais la team. Ça va ou quoi? Là avec Élise on va partir au GP. Du coup elle a acheté une voiture pour l'occasion. Elle a acheté une grosse Merco pour l'occasion. Charlotte, si j'avais les moyens. À sa vie, hein. Voilà les gars, c'est parti pour le GP Explorer. Donc là, il est mardi. Vous allez nous dire, mais c'est samedi le GP, vous êtes là super. Il est mardi. Déjà, il est 10h52 et après, on est mardi. Et aujourd'hui, moi, je suis le copilote d'Élise parce qu'on a une autre voiture avec Steph et Corentin qui partent bah, du coup de leur côté. Ouais, 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 on est arrivé. Putain, ça date. Ça date, wesh. FFS Academy. Là, on en avance pour la première activité, à savoir le reveal des casques. Ah, nique la G-Corp. Comment ça, mon ref? Ah, nique la G-Corp. Ramène-toi maintenant. Le Darou portugais. Waouh. Attends, mais pourquoi il y a un polo? C'est quoi ça? Il avait plus Frank pour Marlon Brando là. Frérot, t'es frais. Hey, salut, mon gigapote. Il y a un Mario Kart, quoi, là? Est-ce que moi je suis t'es entraîné un peu? Là je suis injouable. Chaque fois tu me dis ça. Il est dépité, mais ça y est, c'est bon. Putain, comment elle est magnifique. Maman. Je préfère ce qu'à ta tête. C'est quoi du coup ce que t'as vu là? L'entraînement, il a tourné à 1,42. Une 1,42 à l'entraînement? Ouais, mais on a 4 secondes à l'écart. Ok, bah génial. Merci PO parce que je t'ai mis. Allez, je vais y aller hein. Je t'ai mis numéro 1 sur ma liste. Contre tout le monde dans la boîte, mais pour moi tu win donc. J'espère que. Bah déjà la G-Corp, t'as vu hein. Pas sympa hein. Non, je suis pour toi, mais je pense quand même que c'est moi qui gagne. Ok, bravo. C'était d'une sincérité par contre. Sincérité. T'es joueur de poker, c'est ça? T'as beaucoup gagné dans ta vie ou pas? Pas en F4, mais. Jeux vidéo, ouais, je m'en sors plutôt bien. C'est quoi le pari, Coco? Le pari, c'est que je lui ai dit que ma voiture changeait de couleur et qu'elle était rose. Ok. Ouais, mais c'est pas possible. Je te crois pas cette année, c'est bon les mythos. Il a parié combien, Manas, du coup? 50 balles, ça va. 50 balles, bah attends, c'est pas possible. De toute façon, j'ai déjà gagné là. Il a ouvert WhatsApp, t'es cuit. Je vois dans le reflet de l'objectif là. Oh putain. Ouais, c'est gris hein. Menteur. C'est vachement gris. Non, mais moi, il m'a dit c'est full rose. Donc s'il y a une nuance de rose, ok. Mais c'est full rose, tu m'as dit. Toi, ce que t'as vu là, c'est quoi? Moi, ça. C'est gris là. Il est avec de fou. De toute façon, tu verras le jour J, la voiture quand elle va. Hop là. Quand elle va spin. Quand elle va dépasser Gilsi là, comme ça. Elle va spin, gravier, P18, c'est ça? Moi, je veux absolument qu'on ait une bataille. Moi, je veux pas perdre ce qu'après c'est une année entière où il va rappeler juste cette émotion. Oh, t'inquiète pas, vas-y. Hein. Si ça tu fait gagnes, un an, tu je suis deuxième. Non, regarde, Manas, regarde, je l'ai battu ma carte, j'en parle jamais. Première chose qu'il vient de dire en arrivant. Oh, alors là, je dois dire qu'il est pas faire plus gros. Il est choquant. Très gros. Il est très vraiment. Gros. Mais le contour. Il est choquant, c'était pour être gentil. Le contour choquant. Laser là, ça fait le bas du M18, c'est fantastique, Steph. Ton niveau d'engagement. Merci, merci. Steph Mécano, on s'en souvient là. T'as envie de faire une connerie, toi. Là, tu viens de faire un truc. Ça passe quoi, il y a en moins? Non, mais on est 2 contre 3. Il est super grand, lui. Lui, il est grand. Il est super grand de fou. Elle est grise. Oui, il a juste le samedi. Aucun fait un petit pari. Vas-y, pari aussi. Tu parles de balle aussi. Après, ces trucs, ils ont changé. Mais c'est le frère. Il s'est pas changé. C'est pas changé des vacances, regarde. Il va devenir noir. Regarde. Allez, je tiens le livre de compte, 50 de manœuvre. C'est bon ça. Quand tu dis rose, genre toute la voiture est rose. Oui, il m'a dit full rose. Ah. Full rose. Ah. C'est pas rose. Non, ça, c'est blanc. C'est du blanc rosé. C'est du blanc rosé. Non, mais du blanc rosé. Non, du blanc rosé. Mais oui, tu vois, c'est pour qui toi, Alex? Mais regarde, regarde, elle est blanche de fou. Non, non, à la base, elle était comme ça. Et comme là, nous, on a fait une altine rose, après, ils sont partis sur du noir. J'ai toutes les infos, frère. Non, mais c'est gros de faire ça, les personnes en rose. Parce que pour votre choc, c'est plus harmonieux et joli pour les images. Ça, c'est vous allez vous rentrer dedans. Là, je mets 50 balles avec plaisir. C'est bon, Axel, t'as perdu 50 balles, c'est pas grave, frère. M'en fous. Elle venait repasser à la. Tu veux le casque? Ok, merci tout le monde. Allez, tous les pilotes. Il est beau ton casque, Gotha, ou pas? Non, je pense cette année il sera pas top 1 comme l'année dernière, il sera genre top 2. Ouais, avec ton équipe, toi. Ouais, tu vois ce qu'il y a, son casque. Mais tu l'as changé ou pas du tout? Ah, j'en ai un deuxième encore. Ouais, la richesse infinie de la G-Corp. Ouais, j'ai 2-3 casques, comme ça, choisis le jour J. Non, pour le GP3. Quel GP3 y'a pas? Non, mais au cas où. Le 2, c'est le dernier. Donc regardez-le, c'est le 9 septembre prochain, à partir de 8h sur ma chaîne Twitch. Il y aura plus jamais. C'est le dernier. Tu sais que ça sort sûrement après, du coup, parce qu'on a pas attention du contenu avant le GP. Non, faudrait que ça sorte. Le jour J, là. Ok. C'est possible. Oh bah non, c'est pas le moment, là. Y'a vraiment un feu, tu penses? Non, la FFSA, ils doivent se dire, y'en a marre, les mecs d'internet, y'en a ras le cul. Les gosses. Vivement les 24 heures du monde, on peut plus. T'as le feu au cul en fait. C'est pas un exercice, faut sortir. Ouais, Putain, je suis bon. Ah, quoi? Bon, du coup, vu qu'il y a l'alarme incendie, ils installent dehors. C'est pas mal la teinture de Steph. Oh,
commence en suceur là. Je vois pas de quoi tu penses. Il a le rombo à l'organe, il s'est pris une balle là. Frérot, il a dit quoi quoi? Il a dit, tu peux me partir. Il a dit, tu vois, du vomi, tu m'étales un peu derrière. J'ai 400 heures de cinéma. Sérieux, vraiment? J'ai fait ça tout l'été. C'est faux. Je mets juste la pression. Ils sont tous très stressés. Là, t'as fait le mytho de trop, tu vois. Que craft fait une 48, je crois pas. Sur son meilleur tour, par contre. Paris, t'as gagné 100 euros déjà aujourd'hui. Oui, j'ai vu son meilleur tour. Son meilleur tour, je l'ai vu. Élise, viens voir. Je vais me remontrer les temps, s'il te plaît. Tu l'as eu celle-là? Je l'ai eu. Corentin? Pardon. Franchement, on l'a eu, c'est bon, c'est pas ça. Ah non, je respecte le premier du GP. Il est sorti 23 fois par contre. Mais vous, frère, je l'ai déroulé, c'est impossible qu'il fait 48. Ça fait chier ça. On est à 200 déjà là, je tiens les comptes. 200 balles, ça fait 2 heures qu'on est là. Oh là là. Peut-être un mytho 4 de l'année dernière. On a un top ou pas? Il est beau, il est beau. C'est le rouge de la première sketch. J'aime beaucoup moi. Bon maintenant c'est à nous de jouer, on a les couleurs gentleman's mais pas mal. Bon par contre les casques sont pas avec les voitures. On s'en fout. C'est le but d'avoir un casque. Attends les gars, il y a un technicien qui a oublié son casque. Il y a un técos qui a oublié. Insensible parce que de toute façon ce casque regarde bien. Maintenant tu le verras plus. Ça c'est sûr. Ah ça je vais le voir qu'une fois, c'est sur le podium. Et donc, ou dans le bac. Lui, il parle de Fister, là il sait qu'il est bien. Et on appelle ça un outsider. Ça rend des rangs et puis au final. Ah, Gotaga, il vient de spinner. Ah, il m'a craché. Hop là, qui s'y passe devant. Ivic. Premier de la classe, on peut le dire. Oui. Et là, tu travailles tes strats sur le téléphone, je suppose. Tu vas voir les trajectoires sur. Oh. Et là, c'est le casque de Bouzy, ça. Ouais, le travail, là, c'est en fait. Les trajectoires, tu vois. Bon, boum. Là, je vois vite fait ce que je fais au chemin en bœuf. Oh, tu joues à Pokémon Go? Non, il travaille les virages. Oh, pétard. Oh là là. Je me suis mis il y a 2 semaines. Mais pareil. Mais j'ai loupé l'événement. Salam et Shiny. Viens t'asseoir à côté de Coco, vous. Tu l'as pas levé? Ouais, j'en reviens. Ça coûte par mille. Bon, la team, le premier cours. Et tout le graton de Matéfesa qui est là. Coco, premier rang. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le circuit des 24 Heures du Mans. On va rentrer dans la dernière ligne droite de ce GP Explorer 2. Ah ouais, c'est pas des lol cette année pour les pilotes, hein. Bon, la team, fin de la première journée, les courses est terminée, et la direction, le méga château, méga château 4 étoiles, pour la première soirée d'inauguration et de lancement. Pour les pilotes, c'est ça. Nous, bah non, on est bien cette année, on a un super hôtel, petit reminder ici de notre super motel. Là, cette année, on a un bon hôtel avec Steph. On a une chambre chacun, dites-vous, hein, attention. On circule là, s'il vous plaît, vite. Ça va, t'es bien logé, Coco, hein, quand même. Ouais, ça vit bien. En fait, le problème, c'est que ça a l'air stylé, mais je pense que du coup, dans ce genre d'infrastructure, il n'y a sûrement pas de clim. Avant que ce soit rénové. Non, si, il y a de la clim. Il pense qu'il n'y a pas de clim. On vient d'allumer le ventilo de Gotha, il fait le bruit d'une douche. Tu fais ça, un peu ça comme ça, hop, tu balances. Tu lances la Pokéball, là, tu récupères, ok. Hop, tu balances. Ah, tu perds pas de timing, tu vois, les mécaniques, les APM sont là. Oh, regarde le flex. Coco, viens voir. Ah, Coco. La première, c'est que la valise, elle va pas rentrer dedans. Oh, je... C'est pas prévu. Elle reste là, la valise. Reste là. C'est un cockpit avec un bouton qui se trouve juste en dessous de la 110. Tu vois, comme dans n'importe quelle voiture, tu peux lever le capot. Okay. C'est une petite trappe ici. Ouais, du coup, il y a un coffre encore devant. T'as encore un petit coffre devant. Oh, ok. Oh, le baquet, ces petites érections là. Train, start. Oh, ça, c'est beau, ça. C'est incroyable. Déjà, c'est vrai. Ça déboîte sa mère. Tu peux lui enlever la voiture si jamais. Ouais, ça y est, faut enlever la voiture. Vous pouvez déjà commencer à lui retirer les clés. Écoute-moi bien, ici c'est mon GP. Je fais ce que je veux. Je vais te mettre sur le banc, je te mets sur le banc. Maintenant tu me donnes ta clé. Allez, il va récupérer la voiture de Coco. Mais que pour aujourd'hui. Mais non, mais attendez, vous savez pas la news. On va faire P5, P6. Coco. Oh. Ah ouais. P5, P6. Non, P5, abuse P6. Pas. Le mensonge était déjà gros. Ouais, ouais. Ce soir, on révise le circuit. Vraiment, on joue pas Mario Kart. Votre petite blague là pour les vlogs là, ils vont réviser, cut, on est en train de jouer. Ça, je veux plus ça. Non, ici, c'est du travail. C'est du sérieux. Et vous deux, je trouve que vous le tirez vers le bas. C'est vrai, t'abuses pas. J'ai une petite question, Lucas. Non. T'as pris la Switch? Oui. Ok, c'est bon. Non, mais c'est pour après le GP. Ouais, après. Peu, parce que tu vois le décor et tout. Non, par contre, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Il y a la clim devant, tu penses? J'ai des doutes. Ça va, Yvick? C'est la plus belle voiture. Oui. Je vois que ma voiture. On a des peignoirs avec nos noms dessus. Mais non. Waouh. Ah, GP Explorer 2, vrai step up, hein. Mais quand t'as quoi? J'avais 9, 10, 11, 15. J'espère que c'est pas ma place finale, quoi. Ah, non. C'est moi. Oh là là.
Mais c'est quoi, c'est un appartement? Ouais, c'est spécial. À chaque fois, toi, t'as des salles de bain de fou furieux. L'année dernière, c'était pareil. Ah, c'est la petite douche. Attends, mais. Moi, sa douche, c'est la taille de l'autre chambre à l'ibis. Là, à tout moment, si je suis à Walp, comme ça, je peux dire ouais, salut. Tu vois? Ouais. Normal. La petite plèbe. Ouais, en très fait, sympa. C'est très original comme douche. Oh, t'as un peignoir et tout. Ouais, monsieur, sa vie, hein. Ouais, t'as du chocolat. Ah ouais. Je vais en prendre un random. Non, moi non, merci. Régale-toi. Ah si, faut qu'on teste tous. Non, je reprends. Ah, ok. Ah, non, ça va, c'est j'ai. Non, mais gardez. Non, arrête. Bon. Arrête, bon, vas-y. Stop, stop. Mais incroyable. Ah, c'est trop bon. Mais aussi. Je sais pas c'est à quoi, mais c'est trop bon, c'est incroyable. Désolé d'avoir forcé pour ta jet, mais. C'est pas moi qui voulais, les gars. On vient d'allumer le ventilo de Gotha, il fait le bruit d'une deux chevaux. C'est une 9-4 qui démarre là, je reconnais ça. Non, mais. Faut choisir. Là, en fait, dans tous les cas, je ne peux pas dormir. C'est soit je dors pas à cause du bruit. Là, ça se passe très mal les flips. Là, tu perds tous tes flips. Là, premier jour, y a rien qui va. Mais comment c'est possible? C'est quoi le programme là? Bah là, on entraîne Coco pour qu'il détruise tout le monde. Oh, je reconnais. C'est l'écurie gagnante. On est trois records. Et ouais, vous êtes chaud les gars là. En fait, c'est deux campeurs qui jouent l'un contre l'autre. Ouais, vraiment. On est tous les deux au sniper. Allez-y, attaquez les gars. Sur le toit de notre base. Ils vont faire le record. Hein. Le Guinness record, c'est pas loin. Attends, Gotha. Les frérots, j'ai de la patience infinie, mon grand. Gars, ils parlent même pas, leur Billy, ils parlent tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Parle un peu, c'est toi. De quoi? Je sais pas, c'est toi le divertissement normalement. Tu fais quoi là? Les gars, où est-ce? J'en dirais mes lives, frère, où je parle pas, je tryhard. Les gars. Wow. Bon la team, fin de journée. Ça y est. Vous vous dites c'est le retour des deux dans la même chambre. Et ben non, cette année on a step up. Déjà on est plus au Campanile, on est à l'Ibis. Donc ça c'est super chouette. Bah déjà regardez juste la taille du lit. 1m80 je pense ou 2m. Bah allonge-toi, non il fait 2m je pense. Bon, première loose de la journée, Alex il est arrivé, ça, la clim elle a fui, tout ça s'est trempé, on peut même pas marcher. En tout cas voilà, première petite journée. C'était super cool, en détente aujourd'hui. Vous avez peut-être pas vu au vlog, mais ils ont mis une grosse pression sur tout le monde. Là on doit décharger tous les rushs, bah, comme d'habitude, pour que ça puisse être monté en temps réel. Et nous on va aller se reposer parce qu'on est KO, parce que hier coiffeur jusqu'à 4h du mat, on s'est couché à 5h. Ça y est, c'est reparti. Donc les petits frérots, les petites frérottes, on vous dit à demain, bisous. Le petit déj est arrivé. Le petit déj. Ah. Salut. Comme ça, de bon matin. Wesh. Allez, on est parti, jour 2. C'est parti, jour 2. Bien arrivé au château. Souvent critiqué, encore une fois, un des premiers. Encore une fois, Coco, parmi les premiers. Ouais. Voilà. Alors, cette nuit. Bien, nickel. C'est vrai? Excuse-moi, c'était 9h30 le rendez-vous pour le 5, là. Ça va être sympa en 3 jours, les gars. C'est parti, test de la nouvelle Alpine. Tu te serais vu tester des voitures comme ça il y a 10 ans là, quand tu testais des jeux vidéo? Oh, tu sais, dans Need for Speed, j'en avais des comme ça, je pensais pareil. Hein. Ce qui est important, c'est d'appuyer longtemps sur le bouton sport. Comme ça, tu passes en mode track. Et après, t'enlèves le SP là. C'est pour avoir plus d'adhérence. Oui, bien sûr, t'inquiète. C'est un fou. C'est un malade. Hop. Oh là 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 là. Monstre. Garde-le lui. Allez, monte dans ta voiture toi. Monte dans ta voiture. Maman, j'ai activé le mode sport déjà. Ça pète bien, mais moi je préfère. Je préfère la Mégane. Voilà. Ok, que l'Alpine qui. Where's my mate? C'est parti, ça va en cours, Coco. Ça vous choque qu'il soit premier de la classe? Il y a un truc qui va pas, tu prépares un mauvais coup. Podium, allez chercher. Là, tu prépares un mauvais coup. Il prépare un mauvais coup là. Si tu t'assois devant, demain tu dois tourner en 44 minimum. 44. C'est faisable, non? En vrai, 44 c'est faisable. 44 c'est faisable. C'est faisable. C'est comme si demain on avait un event Warzone, sur demain, tranquille tu fais. Demain, petite tranquille. Mon camarade, il est au premier rang. Bien sûr. Voilà. Allez, bon élève. Ça, c'est mon gars. Tu vas pas passer, tu vas te faire banner pendant 2 ans. Si jamais tu finis derrière elle, pendant longtemps, tu fais trop le mec, tu vas finir dans 2 jours. Non. On peut rien dire, on regarde la feuille. Alors que toi, on peut dire beaucoup de choses. J'espère que tout le monde est en forme.
Aujourd'hui encore une journée un peu théorique, bon même s'il y aura un peu de roulage en début d'après-midi. Ce matin, on va faire un gros focus sur la sécurité. Si on voit qu'il n'y a pas le respect de ces consignes de sécurité élémentaire, bah là on devra évidemment prendre des mesures là-dessus. Donc soyez ultra attentifs. Si un mec me suit, je vais fermer toutes les portes, jamais il me doublera. Je vais tout lui fermer, pour rien faire. On va tous les deux perdre énormément de temps, mais pour rien faire. Ça va, le cours s'est bien passé? Vous allez faire un petit tour là? J'adore ces gourdes. Ouais, ça a l'air incroyable. Frérot, je te jure, je vais être hydraté de ouf toute la tête grâce à ça. Ouais. Y'a pas de hasard dans la vie. En plus, on part avec Pierre. C'est les best ici en fait. Si tu veux réussir, faut te donner les moyens. Ah ouais. C'est-à-dire sucer. Nous, on est devant dans le premier bus. Ah, pour parler au conducteur? Pour vraiment être le plus proche de son pénis. Ouais. Donc voilà, là on est vraiment bien devant quoi. Bien, bien quoi. Et encore, Théo il était là bien 5 minutes avant moi. Il est bien à côté lui. Hein. Au moment où il a dit vas-y, on va aller faire notre tour de début, j'étais déjà assis là. Il était posé. Pierre, on y va quand? Avec la ceinture bouclée. Hier soir quoi. Pierre, dans la courbe d'Alope, il faut faire comment? Pierre, on est prêts nous? J'arrive. Il m'a répondu. C'est agressif, c'est bien une grosse attaque de frein et après on lève le pied. Oh. Le groupe part, fait du bruit. Ouais. T'as rien à faire là. Descends. Le groupe part, fait du bruit. Ouais. Ah. Regarde, on se rend ensemble. Quoi. Ah. Vous allez vous voir tous nus, tous les quatre. Et hop, hop, hop. On va jouer à touche zizi. On dit touche pipi, Lucas, pas touche zizi. Waouh! Waouh! Ça, j'avais pas vu! Ça, elle est incroyable! Wesh! Les mecs! Waouh! Les touches de couleur là! Waouh! Elle est belle, hein, c'est tout! Putain, mais ça serait pas le top! Oh là là! Mais c'est super chaud. Il y a de l'eau fraîche là si vous voulez. Ouais, faut boire. Boire de l'eau. Tiens. Et le dégradé, il y a quelque chose dans le dégradé aussi. Ça va mieux quoi? Ouais. Franchement, ça va mieux. Voilà. Abîme pas la combi quoi. Non, parce que Sylvain, lui, quand il essaie sa combi, il fait pas ça. Il fait ça pour voir si il peut se tromper. C'est bon. Ouais. Voilà. Non, faut faire comme ça. Hé, ta combi, elle est plus belle que ta voiture. Ah. Wouah, bien. C'est une grande balle, c'est une grande balle. T'avais pas vu ça? Putain, le box il est beau de fou. Ouais. Wow. T'es fier? Ouais, franchement. Franchement, très très malin d'avoir changé la couleur. Non, merci de pas prendre vos deux. C'est blanc ou pas? C'est blanc? Elle est incroyable par contre. Ah ouais, c'est pas rose. Les gars, c'est pas rose. Ok. Pour nous, c'est rose. Ça, c'est rose. Ouais. C'est pas rose. C'est quoi du coup? Ouais, c'est rose pâle. Rose quand même, rose pâle. Non, mais genre là, actuellement, tu dois dire ok, cette voiture elle est de cette couleur. Tu dis quelle couleur? Ok, cette voiture elle est grise. Allez, c'est 50 balles, putain. Allez, 50 balles, let's go. Bah, coucou, je les ai. Hein. Ça y est, on remet les pieds sur la piste. Ça y est. Oh là là, je les vois, les belles voitures. Tu dis, si c'est trop, le jour J, elle sera rose. Tu m'as dit quoi? Et comme c'est l'événement de Lucas, vous avez dit, bah vas-y, on va faire mieux que. Et vous avez fait mieux. Ouais, c'est la plus stylée, mec. 100 fois. Ça a été dit. Ça, c'est un bon gars. La vie de ma mère, il n'y a aucun débat là. J'ai le seum, presque. Mais elle est vachement jolie la vôtre aussi. Ouais, bien sûr. La vôtre en dehors de la nôtre, elle était top 1. Elle est toujours top 1. Ouais, top 2 quoi. Bien là, c'est beau aussi. Voilà quoi. Les autres, c'est un peu des guignols. Mais tranquille. Ouais. Là, ils sont en train de préparer toutes les voitures. Faire une petite photo d'eau, une petite vidéo pour les réseaux, etc. Go! 1, 2, 3, top. Non, ça va pas, Sanso, il est passé derrière. Non, arrêtez. Qu'est-ce que vous branlez derrière? Il n'y a pas la place, c'est vrai, je suis d'accord. Il n'y a pas la place, nous on se décale. Décalez-vous un petit peu sur le côté, restez bien en ligne. Lucas, tu donnes le top. 1, 2, 3, top. Gauche, droite. On arrive sur vous là. On s'arrêtera pas, les gars. On s'arrête plus. Franchement, bravo. Vous avez réussi, bravo. Félicite. C'est bon, j'arrête. Il y a tellement de caméras, les gars. Merci, les gars.
pense que c'est sûr qu'on a au moins un plan vu le nombre de caméras qu'il y a. Yo la team, on est dans la chambre d'hôtel, on est complètement explosé. Aujourd'hui cours théorique, shooting, etc. Il faisait très 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 chaud, on a fait un petit quartier en vue, c'était super kiffant. Les pilotes étaient complètement KO, donc là ils sont partis se reposer. Demain roulage, réveil 6h30 pour nous, 7h30, eux ils doivent être sur le circuit, s'équiper, roulage. En tout cas demain c'est la grande première journée, dernière vraie session d'entraînement pour tout le monde. Nous on va aller se reposer. C'est pas fini Steph, non? Ah oui, non, suite, non, en plus non, il est en train de le mettre. On va regarder la V1 du vlog qui va sortir le jour du GP normalement. Et mercredi soir, on va faire les premiers retours à Andreas. On espère que le vlog vous avez kiffé parce que vous l'avez déjà vu. Et nous, on se dit à demain. Ciao, peace. Yo la team, on est au petit déj, j'espère que ça va. Début du jour 3, je vous filme pas mon petit déj, je vous en dirai le petit déj d'un enfant de 4 ans avec des crêpes et du Nutella et de la brioche. A tout de suite, on est parti, c'est le roulage, je suis trop excité. En avant, derrière, mi droite avant le GP, go. Steph, il a oublié le plus important les gars. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Corentin. Il va falloir aller lui souhaiter et ce soir il y a une big soirée. Moi j'arrive, je lui saute dessus, je lui fais un bisou. Le mec il connaît pas son patron. On est arrivé, beau lever de soleil sur le circuit. Vas-y, fais du bruit. Wesh, la méga, alors on fait du bruit. Oh, elle en a sous le capot. Wesh, c'est un truc de ouf. On a Max et Elian. Je vais voir du smile, je vais voir de la bonne humeur, je vais voir de la banane aujourd'hui. Et c'est parti. On y va, c'est bon les mecs. Etienne et Amixem, là il y a du top 5 GP là. Là il y a du top 5 GP là. Oui, mais effectivement pour vous deux, pour vous deux. Ok, parce que j'ai senti que tu regardais pas. Oh, vraiment. Là c'est top 2 et top 5, voilà c'est dit. C'est annoncé à la cam. Il reste pas grand chose pour ton écurie. Hein. Oui, c'est vrai. Bon. On prendra les restes. Hein. Allez. Je m'étais mis là pour souhaiter les anniversaires à Coco. Bon, bah, je vais devoir marcher derrière la voiture. Joyeux anniversaire Coco. Merci. T'avais pas oublié quand même. Non, t'inquiète. Mais non, à tout ce qu'il aime devant tout le monde. Bon la team, on est en train de parler prono avec Elise. Je sais pas si on l'a fait à la cam ou pas. Pour moi c'est le top 4. C'est plusieurs fois que tu le dis. C'est Depiello, Sylvain, Etienne et Bouzy. On était le seul box ouvert tout le matin. Double box ouvert. Et surtout de ta gaffe, je te souhaite un joyeux anniversaire. Et voilà, que bonjour. Tout le bonheur soit avec toi pour cette journée en tout cas. Red Monster. Oui. Et ça, il est trop content de rouler. Et moi je suis content de rouler mais je suis pas aussi expressif que lui quoi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est pour lui. Joyeux anniversaire Gotha. Joyeux anniversaire. Mais c'est pas le seul joyeux anniversaire qu'on va faire. Alors 1, 2, 3, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Juste lever un peu du sol, c'est humiliant. Ouais, on aurait pu le lever tout là-haut si on voulait. C'est bon, on l'enlevait sur le bichon, on le gaspiller. C'est quand même super de célébrer un anniversaire. Allez là. Ça fait deux fois que c'est Théodore qui le lance quand même, hein, le joyeux anniversaire. Moi je vais lancer un. Oh, il se. Imagine la foule qui crie Quick and Sorry! Non, ça te fait chier là, ça te fait juste chier. Et ça, c'est ton anniversaire, Chloé. Mais ouais, t'as vu, j'adore trop les caméras quoi. C'est vraiment moi, je sais pas, je dis. Théodore, tu veux qu'il me lance un truc là, j'ai envie de caméra. J'en ai marre. Ah, laisse-le tranquille. Je suis désolé, je vais arrêter. En tout cas, la prochaine fois que Théodore fait ça. Non. J'allais le lancer. Mon pote. Joyeux journée qu'on passe souvent. Ouais. C'est pas mal ou pas? Ouais, pas mal. C'est joli, c'est assez haut. Les gens vont tourner la tête. Et en fait, non, ça va. Ah, j'ai envie de lancer un petit coup. Non, mais là, je comprends. Seb, tu m'aides à allumer la mèche? Non. Je vais la relancer un joli anniversaire. À la fin du brief. 5 minutes de brief. Groupe 1, j'ai pas les noms. Donc, on a Depiello, Manon, SCH, Anna et Maxime. Si tu t'es rejoint en groupe 2. Enchanté, bienvenue, je vais prendre soin de toi. Tu vas kiffer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après tu vas voir, on est bien. Groupe 2 les gars. La déchéance. Ça fait quoi frère? T'as vu, c'est.
J'ai l'impression d'être un bouffon. On s'y fait, je te jure. Et encore, je n'ai pas encore tweeté, t'as de la chance. Je suis à ça là. Mais tu peux pas. Non, parce qu'en vrai, si toi t'avais level up en groupe 1 pendant que j'étais dans un groupe 2, là t'avais un petit truc. Non, c'est terrible de me rejoindre dans ma merde. Tu sais, c'est en mode, tu regardais un mec dans la boue, tu fais. Et là, c'est en mode, tu tombes dans la boue et t'es ensemble à côté. Là, t'es comme un con, t'es en mode, ça. C'est parce que j'ai dodge la dernière session. Ton choix, tes conséquences. Tu sais quoi, on regarde la première session. Si tu me dépasses pendant la première session, t'as le droit de tweeter. Non, je vais tweeter. Et si je te dépasse, je dis. Update. Alors, en plus, je l'ai doublé. Alors il a 30 ans, Il a 30 ans, il est dans le groupe 2. C'est vraiment la journée de merde. Tu te prends tous les coups durs. Journée pourrie. Bon, premier roulage les gars, c'est le groupe 1 du coup qui part d'abord. Tester un peu la piste. Mais c'est bien, Coco du coup il va faire un peu plus tard. La piste elle sera plus chaude, sera mieux encore. Restez tunes. Je me sens pousser des énormes couilles de French Monster. Je me calme, mon père c'est là, là, la tête. Lucas, vous calmez des graviers partout. Putain oui, je sais, c'est moi. Mes deux roues là-bas là. J'accélère dans la ligne droite et je fais, bah, qu'est-ce qui se passe? Et là je regarde mon rétro, je fais, j'ai mis ma roue arrière gauche dans le bac là, là, au raccordement. Donc ça a fait une pluie de cailloux. Après c'est pratique pour saboter Sylvain et les pieds d'eau. Parce qu'ils arrivent très vite, donc s'il y a le moindre petit gravier, bac. Je l'ai travaillé, c'est pour le jour J ça. On est dans la zone mon frère. T'as fait une 57 en chauffe, une 53, une 49. Là t'as été gêné. Une 49, on est en gêné. Là t'as fait une 49 toi. On est en gêné. On est en gêné, ouais. Pas mal. En vrai, faut pas qu'il s'emmerde, faut qu'il reste sur call off ou ce genre de bail. Tu penses que c'est plus ça sa zone d'action? Ouais, encore que. Maintenant, tu sais. Même là, c'est compliqué. La trentaine, quoi. La trentaine commence à se faire sentir. Ça va, toi, groupe 1? Tu vis sa vie? Oui, tu sais, ça fait 3 mois que je suis dans le groupe 1. GP Explorer, ils m'ont foutu groupe 2 dans le canal. Ils m'ont foutu groupe 1, c'est le monde à l'envers. Oui, toi, t'es crazy, toi. Non, mais laisse béton. Ça me fait chier pour Gotha d'être groupe 2, mais en même temps, voilà, c'est normal. Il y a une certaine logique et. J'espère que tu te reprendras et que pour la course. En fait, ça fait chier, c'est ton manif. Kiffe. Kiffe ton moment. J'ai tellement envie de mettre des tartes. C'est dommage, non. Allez, bonne chance, les gars. Vous, au pire, l'Andrea, je te regarde, c'est à gauche. Tu vois, c'est normalement. C'est tout à gauche. Allez, c'est parti, exercice d'extraction. Tu dois sortir en moins de 10 secondes, Corentin. 10 secondes, c'est pas impossible. Ah, on va te donner des. Tu vas avoir les conseils du boss. 1, 2, 3. C'est mort, remake. Remake. Il a dit remake. Attends, ouais. Non, non, il n'y avait pas vraiment le feu. On peut la refaire, il n'y avait pas le feu, j'ai vérifié. J'ai l'extincteur, je l'ai éteint, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti, premier roulage à 24. Okay. En espérant que tout se passe bien, que tout le monde puisse s'amuser. Les gars, fin de la première session à 24. Ça s'est globalement bien passé. Ils ont roulé 18 minutes sur 20. Là, il y a eu un drapeau rouge. On sait pas qui c'est. Il n'y a pas eu trop de galère. Là, je suis content, mec. Hein. 18 minutes sans drapeau rouge. Tu vas tenir ça dans ta main. Ouais. Bois un max pour la pose éco. 91,5. Ouais, il a raison, Steph. T'es pas obligé de dire les pots aussi fort. Hein. Attends, tu penses combien à la combi, tu penses? 90 kilos. Merci. On a vraiment le meilleur ingé. Merci. C'est bien passé ton roulage, Coco? T'as un débrief avec Steph? Excuse-moi, j'étais en train d'envoyer les toilettes. Je crois que c'est Sid ou Théodore, je sais pas, mais je pense que c'est plus Sid. Qui était un problème pour toi? Ouais. Non, tu décalais pas, tu accélérais, gros chien. Frérot, dans le raccordement, non, j'étais limite. C'est un chien, c'est un chien. La tête de ma mère, c'est un chien. Dans le raccordement. Parce qu'en fait, de base, moi je fais mes pneus et d'un coup, il me dépasse. Je me dis, ah cool, lui, ça doit être Jessie, machin, etc. Et là, je commence à rattraper, je me dis, non, sûrement Théodore. Le drapeau bleu, respecte pas, ça doit être Théodore. Franchement, un peu. Le raccordement, tu parles de drapeau bleu au raccordement, le premier là. Il y en a eu plein. Oui. Et, et tu passes pas, je peux pas non plus m'arrêter. Derrière, il y a 4 mecs qui attendent, tu vois. Genre, ça veut dire que si je te laisse passer toi, je te laisse passer tout le monde. Il y a personne derrière.
Déjà, il pense qu'il a levé le pied, écoute, il me laissait pas passer. Regarde, même lui le dit, il est que du drapeau bleu tout le long. C'est de ma mère que je qui a fait un meilleur temps que l'autre. C'est lui. Et bah voilà, donc tu prends le drapeau bleu, tu l'as. Je fais que 1,48 parce qu'il veut pas me laisser passer. Viens, on va voir les zones bord tout de suite. Tu veux dire, quand il y a tous les drapeaux bleus, il y avait une voiture devant toi? Mais t'es un baiser, frère, sur tête de ma mère. Viens, on va voir les zones bord. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Je suis pas mal à l'aise. Oh, ta gueule! Joyeux anniversaire! Mets-toi au centre et fais une danse en vrai pour ton ami. On a des excuses. Je vais voir avec mon ingé. J'ai décalé et freiné dans les virages. Mais il a dit c'est pas dans un virage, c'est dans les lignes droites qu'on se décale. C'est-à-dire j'aurais dû faire le raccordement, freiner, décaler et passer sur le bleu. Désolé. J'ai pas respecté le drapeau bleu. Je l'ai. Je veux le MP4 pour ce soir pour répondre à son tweet de ce matin. Ok. C'est fort. C'est quoi sur la ligne droite d'Unlop? On bat les coups, on fait roue à roue et on voit qui est qui. Il faut ce plan là. Et on voit qui est qui. Ouais. Le premier qui freine, c'est une salope. Vas-y, let's go. Je vais dans le mur, bas les pieds. Un petit mot pour samedi, déjà merci pour votre confiance. C'est incroyable le level que vous avez tous atteint, que ce soit les anciens, les nouveaux, c'est genre ouf. Je pense que tous les anciens, vous êtes d'accord pour dire que cette année, il y a eu particulièrement une coupe de progression folle pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez connaissance de vos limites. Vous savez genre où vous êtes, vous savez comment piloter. N'essayez pas de trop pousser samedi, d'aller au-delà de vos limites, de briller. Vous brillerez si vous finissez cette putain de course. C'est aussi simple que ça. Donc n'essayez pas d'aller trop fort, trop vite, trop loin, de mettre une pression de fou. Le plus important, c'est que vous preniez un max de plaisir samedi. Vraiment savourer chaque fucking seconde. C'est peut-être notre dernière GP à tous et toutes ici présents. Donc vivez-le ensemble, les uns avec les autres. Profitez, respectez-vous et vous mettez pas de pression. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Merci Claire. Merci à tous. Ouais. Et j'ai baisé Dilsi aujourd'hui, voilà. Ouais. Les jours de la course, faut que t'arrives à te mettre dans une bulle. Moi par exemple, je sais que je serais meilleur à la course que là, les entraînements, là, les entraînements ou les temps. Pas le choix, de toute façon c'est comme ça. Ouais. Même les temps, moi je suis meilleur quand j'ai quelqu'un devant moi et que je suis en mode. Ah ouais, ok. Et tu sais, tu rentres dans la zone. Ouais, je vois. C'est pour ça que ça va être intéressant, ça va être vraiment une vraie course. Tu vois. C'est génial. Mais d'un autre côté, effectivement, vu que ce sera en mode course, il y en a plein, je pense, qui vont sortir parce que du coup. Ah, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de drapeaux. Ouais. Débrief alors de cette toute dernière journée de roulage avant le samedi, parce que demain c'est que des procédures, c'est ça que vous faites? Ouais. Moi, je comptais le nombre de fois que j'ai dépassé JLC aujourd'hui. Ah wow. Ouais. Non, ouais, c'était lourd. C'était cool, ça améliore, mais il y a encore des choses à bosser. Et puis, en fait, le niveau va être plus dur que l'année dernière. Le truc difficile, c'est top 7. Le truc que j'aimerais faire, c'est top 10. Là, actuellement, sur le papier, je suis 10ème. Voilà, au moins battre l'année dernière, même, ce sera plus dur. Yo la team! Yo la team! Fin de journée, on a été remettre un petit coup de déo, se préparer, etc. Parce que c'est l'anniversaire surprise de Coco. Donc là, on s'y dirige. C'est parti. C'est parti. Joyeux anniversaire, Gotaga! C'est la dernière fois! Joyeux anniversaire! Vite! Hip-hip-hip! Gotaga, vous dites gars, ça c'est Gotaga! 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 Moshe! Which is I here? Looking through the Gotaga! How should I feel? On a fait une petite celle-là. Non mais attends, elle est trop belle. Putain, elle a même pas la nouvelle. C'est long, il doit être incroyable. Ça passe si elle rend Coco. Ok. Putain, il y a tous les pilotes, même ceux que j'aime pas, putain. Oh. 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 Oh.
très stylé, merci beaucoup tout le monde. C'est très très stylé. Moi aussi j'ai un cadeau pour toi. C'est un vrai cadeau de ma part pour toi. Je te jure, un cadeau. J'ai un cadeau. Suceur, 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 suceur. Regarde. C'est excellent, ça va le mélange du groupe à l'école. Oh, très bon. Le rétro. Ça veut dire que c'est tout en bon rétro quand même. Hein. Hein. Par contre, du coup, tu viens d'avouer que t'es dans mon rétro. C'est mon cadeau. Tu es dans ton rétro pour ce soir. Pour ce soir. Samedi aussi et. Et demain. Non, mais merci en tout cas. Avec plaisir. Bravo. Attends, on l'a fait comme au Val-de-Vienne. Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Et... Voilà, allez, vas-y. Ouais. C'est 7. C'est bon ça. Allez, chacun le long de roue. Allez, on y va. Alors il a pris la roue. Moi, je prends juste les rétro. On est bâtards. C'est bon, il est passé au stand. C'est pas une roue qui se mange. C'est arrivé tout à l'heure. Nouvelle journée. Ça part en big shooting. T'es chaud? Ouais. Tu fais un shooting quoi? Tu veux un podium gentleman ou pas? Parce que si t'en veux un, c'est moi qui dois bosser. Ouais, non, mais tu. Oh la violence! Ça fait mal ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu peux être? Sachez que dans la vie de tous les jours, c'est mon ami. Hein. Eh hey, les gars, sachez que c'est 10 ans à me faire laver le cul par ce mec sur les jeux vidéo. Qui font qu'aujourd'hui, je me régale d'être meilleur que lui. Enfin, à un truc dans ma vie, putain de merde. Ça fait quand même mal. Non, je m'excuse. Pardon. Je vais y arriver, on va quoi qu'il arrive. Je m'excuse, pardon. C'est cool, mais trop bizarre, je sais. Ah non. Après, je sais. Ah, ok. Allez, la suite. Je pense qu'on va en deux en place. Un là. Il y a sans lunettes, non? Ah ouais. T'as pas de portable qui défend mes poches, là? Ah ouais. Vas-y, dis encore quelque chose parce que tu vises juste à chaque fois, vas-y. Ouais, c'est bon, toi. Faites-moi un regard autoroute, vous regardez par là-bas. Ah. Bon, pendant que Coco se repose, parce que là ils reprennent que cet après-midi à 14h, là, on va aller voir dans le village la petite boutique G-Corp avec Shaina qui est en train de s'activer, je la vois au loin. La boutique est super belle là de loin. Bonjour, je cherche la directrice marketing s'il vous plaît. Tu veux quoi? Ouais. J'ai moins hein, l'installation de la boutique. On a emprunté du matériel des émissions, on a pris une petite table de réunion, on a pris ce genre de choses-là. Bon, là, c'est encore en installation. Ouais, là, du coup, on fait l'installation, on a les livraisons qui arrivent. Là, aujourd'hui, le but, c'est de tout mettre en tout place setup, pour demain. Et du coup, là, tout là, tu vas balancer tout, ouais. C'est trop bien. Là, c'est tout en stock? Non, j'ai encore 2500 pièces qui doivent. Et là, il y en a combien? 400? Ouais, donc en fait, t'as encore 5 fois ça, quoi. Ouais, donc en fait, bah, pile poil. Ah, c'est ton moment préféré, Coco. Réviser le banful de demain. Et j'espère juste qu'ils vont tous dire joyeux anniversaire. J'adore trop ces moments comme ça. Ouais, c'est vraiment ce que t'aimes, quoi. Gotaga! Gotaga! Ouais, Gotaga! Monster! Bon, on a bien mangé, cet après-midi, roulage à 24 encore. Allez, c'est là où Coco, il faut qu'il perfectionne là. C'est surtout les manœuvres cet après-midi. Là, ils vont apprendre vraiment à rouler sous drapeau rouge, sous drapeau jaune, Corentin le sait déjà. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas pu faire un GP, que c'est la première fois, ben forcément, c'est super important de connaître ça sur le bout des doigts. Ouais, c'est soit celui qui te casse ta confiance pour demain, soit celui qui te excède confiance. Mais dans tous les cas, tu finis pas la course. Mais oui, mais foncez pas. Bonjour à tout le monde, parce que j'ai pas encore vu tout le monde. Donc, on est aujourd'hui sur la session de test pour les procédures. Notre objectif, c'est de refaire une séance en conditions de course, d'accord? En conditions de qualif, en conditions d'essai, c'est-à-dire en conditions vraiment de ce que vous allez rencontrer demain. Demain, on va zéro rire, on va arriver quand on va être là. Ah bah oui. Pour les essais, si, on sera encore un peu fun. Pour les qualifs, c'est mon mode préféré, quand ça analyse les secteurs et tout. Ça y est, partout, la pression monte. J'ai pas le droit de filmer? Je fais comment, je crois? Tu casses. Je fais du ménage en non, fait. Non, tu casses. Théodore, il aime pas. Non, arrête. Tu fais quoi? Non, pardon. Je te dis, en plus casse. Moi, c'est Gotha, il m'a dit que je pouvais venir. Non, Gotha, qui t'a dit? Gotaga. Gotaga. Vous connaissez ou pas? Allez. C'était son anniversaire hier. Oui, c'était hier. Allez. Malade, tu vois.
Bon Elise, qu'est-ce qui se passe là? On a Doig en fond, Corentin qui s'équipe, c'est alors, quoi ça? Alors Doig il fait le filage de tout le live avec l'équipe qui sera en plateau, ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2, les pilotes vont s'entraîner sur toutes les procédures de sécurité. Donc procédure safety car, procédure de départ, etc. C'est super important parce que demain faut pas que ce soit le bordel, sinon c'est moche en live. Ils vont appliquer ce qu'ils ont vu en réunion là, c'est ça? C'est ça, la grosse réunion avec beaucoup d'infos, on va voir s'ils ont réussi à assimiler toute une partie et ce qu'ils ont pas assimilé, du coup on va rebrief après. Si jamais il y a des procédures safety car ou sécurité, interviennent, bah, ils soient prêts et qu'ils sachent le faire en fait. Ok, merci beaucoup Elise. Qui s'entraîne. C'est incroyable cette caméra. Caméra télécommandée. Les watts. Ça va vite en plus. J'ai trop chaud. Vous êtes resté pas longtemps dans les voitures au total. Oh, j'ai trop chaud, c'était trop long. Ah, c'était trop long, en plus je mourrais dans le petit C. Mon frérot, au démarrage, Pierre, je l'avale. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai commencé à rentrer trois fois. Les trois fois, je l'ai baisé. La troisième, encore plus que les deux fois d'avant. Maintenant, demain, jour J. À demain. À demain. Franchement, il y avait. Et on remercie Alex à la cam. C'est des petites capsules qu'on fait pour diffuser lundi soir pour le Open World Spécial GP. Parce que comme on a déjà fait un Open World Spécial GP l'année dernière, on essaie toujours de se renouveler comme vous le savez, c'est pas toujours facile. Et du coup on essaie de tourner du contenu exclusif à vous diffuser lundi soir. Devant Gotaga. Tu sais très bien. Top 8 en vrai serait pas mal. Tu tiens le micro vraiment comme de la merde depuis tout à l'heure. Ah ouais. Faut mettre la main là, oublie pas. En bas là, comme si tu tenais une... Hop là, regardez ce qu'on retrouve. Aïna. Waouh, waouh, ça a bossé! Ah ouais, c'est propre! Yo 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 yo! Bien quoi la Teams! 5h du matin. C'est le jour J. T'es à l'heure, Stéphane? Le jour du GP. 5h. Mais 2h, mais en forme parce que c'est le jour du GP. Yo la team! On a une mauvaise nouvelle. La voiture de Steph ne pourra pas aller sur le circuit cette année. Bon, du coup, les gars, Steph m'a déposé. On se retrouvera sur le circuit tout à l'heure. Normalement, je devrais monter avec Corentin. Regardez-moi toutes ces belles voitures. Prêt, 5h23. Ça va? Ça va et toi, grand champion? Vous êtes bien réveillé, bien... C'est un peu déprimant, ouais. Wow. Il y a vraiment des gens qui crient et tout. Bonjour Gotaga. Ouais Gota. Joyeux anniversaire, Gota. Mec. Bon anime Gota. Oh, je suis explosé. T'as réussi à attendre un autre. Arrêtez, il vient de perdre son dixième. Arrêtez. Gotaga anniversaire. Ça y est les gars, on va partir dans le cortège. Regardez-moi ce pilote de l'extrême. Faut pas aller trop vite hein, dans le cortège, Corentin, tu le sais ça. Ah non, t'inquiète, t'inquiète. Et t'as déjà commencé de l'âne aussitôt? Ouais, bon. Ah ouais, c'est dur là quand même. Ouais. Bon, en fait, c'est pas ça, c'est que je me dis qu'on se lève tôt pour que la course soit à 18h, on va être mort quoi. Boy originel. Oh là là, l'Alpine, comment elle envoie du sale. Je vais aller filmer mon coco national avec ma petite trotte. Où ça combien? Regardez-moi ça. On y est. Il est là, mon mate. Comment? En fait, ce qui me fait peur, c'est que l'année dernière, on a fait la course genre à 15h. C'est un marathon mort. Et on fait une sieste. Vous avez bien dormi? Moi je fais une insomnie de fou moi. Ouais. J'ai dormi genre de 22h30 à 1h30 et après de peut-être 3h30 à 5h30. Tu as bien dormi? Bah comme tout le monde hein. T'as pas fait l'insomnie?
Non mais je me suis réveillé beaucoup plus tôt que prévu. Ah ouais? J'étais super chiant. Réveillé à quelle heure? 4h05. On va dîner maintenant. Ouais, ça va. Tout le temps, on dormira pas. Le merch, mais là, on va bien d'abord. Ça va. Il faut. Voilà, le merch. Hop. Merde. Oh non, mon accréditation. Pas de merch là. Hier soir là quand même. C'est quoi le module? Allez, on monte le module s'il vous plaît. On va le module. C'est chiant là! Les gars, la blague est longue! Les gars, c'est chiant là! C'est beaucoup trop d'énergie pour ouais, je comprends pas d'où ça sort cette énergie là. La journée est longue. Hein. Moi je m'économise là. Ouais. Normal quand t'es P15 et P20, t'as pas la pression. Allez hop, celle-là elle est partie. Toi aussi t'approches pas trop. Il n'y a pas eu de match Mario Kart, hein, je suis assez déçu. Hein. Oui, bon, après, voilà. Mana s'est défilé plus d'une fois quand on entend la grandeur. Sachez-le que Coco était chaud. Hein. Il a dit plusieurs fois je suis dispo, c'est quand tu veux. Manas. Voilà, parce qu'il préfère se branler, voilà. On peut dire, hein. J'ai le droit. C'est YouTube friendly. Regardez-moi ça, les gars. Levé de soleil. Il y a des petits bouchons pour venir se garer, il y a déjà du monde. Bien. C'est dommage parce qu'ils ont fait une faute à ton t-shirt. Ils ont mis staff. Ça va ou quoi? Des petits... Ah ouais, ils sont trop chauds. Regardez. Dépasser la petite tête. De quoi? Comment les gens ont autant d'énergie? Ouais, non, c'est dingue. Il est 7h25. Ça va être quoi à 16h? Bon. C'est rempli de fous! C'est derrière la bordure parce qu'ils vont faire ouvrir les portes une par une comme ils se sont entraînés hier, ils ont répété. Les portes vont s'ouvrir une à une avec le petit robot Wally là-bas là, pour avoir un beau travelling tout le long de tous les pilotes qui vont sortir. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à apercevoir les pilotes, qu'on aille les chercher. Si vous le voulez bien, si vous êtes prêts, bien sûr, ici, en direct du circuit Bugatti, en direct du Mans. Mesdames et messieurs, le host de l'événement pour l'écurie Gentlemate, Squeezie et Kotaga. C'est cool.
sur ce début de GP. Il y a eu les larmes ou pas encore? Non, elles sont montées mais elles sont pas sorties. C'est vrai? Toujours aussi impressionnant, même la deuxième fois. C'est quoi ce surprend? Oh, espèce de paillot, va! Là, on rentre un groupe 1, groupe 2 en fonction du résultat des essais de jeudi. Okay. Est-ce que tout le monde a ça en tête? Je le répète, groupe 1, Despielo, Sylvain, Le Bouzeux, Étienne, Katsup, Rousseau, Manon et Gotha. La journée, elle est super longue. Restez en piste autant que possible, d'accord? Pas de folie, pas de dinguerie. Reprenez confiance et surtout, bah, prenez le maximum de plaisir, d'accord? C'est le plus important. Mettez-vous dans votre bulle, reconcentrez-vous. Allez, bonne séance à tout le monde. Et donc, départ de la séance à 9h00, donc ne traînez pas pour le groupe 1. C'est parti! Qui dit compétition dit rivalité. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gilles, je crois. Non, c'est mon rival de toujours, on se tire tous les deux vers le haut. On s'est fait une petite promesse solennelle au cas où, mais je vais pas vous la spoil pour l'instant, toi tu sais. Il devrait y avoir guerre et on sait très bien que le perdant de nous deux là, il se prend au moins un an de Twitter, donc on va tout donner pour gagner. On y va. Allez, vous attendez. Ça va commencer, premier essai libre, il y en aura deux ce matin. C'est uniquement pour reprendre goût à la piste, s'échauffer et puis reprendre les bonnes habitudes, etc. Qui a fait le petit spin sur la chicane, d'Alop à numéro virage numéro 2 et 3, mais ça c'est pas grave. Il y a tout le monde qui spin, hein. Lucas il a spin, Pierre il a dit que les conditions sont très difficiles. Il n'y a pas beaucoup de grip sur la piste, c'est pareil pour tout le monde, ça va chauffer mais ça prend un peu plus de temps quoi. Première séance d'essai compliquée, bah, vous pouvez voir par exemple Lucas qui a spin, il y a eu beaucoup de spin, Gotha. La piste était très 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 froide, très très glissante. Mais bon, c'est les essais libres, c'est pas très important. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, c'est trop dur, ça se voit trop dur. J'ai plus spin là que tout à l'heure. La piste elle est froide là, elle fait mal. La piste elle fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu vois, à force d'être méchant, ma... Le karma. On t'a coupé l'air sous pied. Donc la petite interview par TF1 Automoto, je crois. Ouais, c'est ça, Automoto. Là, vous voyez, les gars, en fait, tous les médias sont rassemblés ici. Et ils passent de média en média, ils sont interviewés. Du coup, Coco, pas super temps aux essais libres? Non, pas super temps. La piste était compliquée ce matin. Donc ouais, on va passer groupe 2 pour les qualifs. Mais l'important, c'est de passer en Q2 et peut-être en Q3, ouais, on espère. En fait. Donc, les qualifs, c'est de réussir. Ouais, le seul truc, c'est qu'avec s'il fait la qualif en étant le groupe 2, faudra juste qu'il gère plus le trafic, puisqu'il roule plus vite que la moitié du plateau pour pouvoir faire un tour complet propre. Ah là 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 là, bon, faut que je me wake up pour ça. Là, c'est les débriefs avec l'ingé, à la suite des deux sessions. Débrief à nuancer avec les qui font droit, j'en ai pas vu. J'ai coupé 8,45. Waouh! Ici, ça débrief, ici, ça boxe, que commence-t-on? Ça va? Allez manger! Ça va? Ça va?
Regardez, il y a qui. Mais Alex, il veut pas vous filmer. Ouais, je laisse la calvasse de Andrea. Pas trop fatigué. Ça va, les beaux gosses. Bah, Alex, il a dormi pendant tout le débrief ingé. C'est vrai, ça se voit. Toujours, il est pas. Tu vois, c'est moins que l'année dernière. Ah non, moi, je suis carré de fou cette année là. C'est comment le village? Il fait chaud. Et là, dans la loge, c'est bien haut. Il y a de quoi à manger, de quoi boire. Il y a full à manger, à boire. Bah, venez nous montrer la loge. Allez, faites-nous. Prenez la cam, là, c'est parti, montrez-nous. Steph qui va découvrir les loges et qui va se ruer. Bonjour. Bonjour. Je suis monté pour boire un coup et manger. Je suis monté pour voir si tout allait bien dans la loge. Et voilà. Maman. On attaque le plat principal. Steph, n'oubliez pas que je vais à la salle. Non, c'est lundi. C'est après le GP, il a dit. Ça y est, c'est l'heure des qualifs. Soyez ultra vigilants sur les track limits, sur tout ce qu'on a vu depuis le début, hein, les drapeaux, toujours comme d'habitude. Respectez-vous les uns les autres, les drapeaux bleus surtout, hein, les rétroviseurs, jetez un coup d'œil. Le groupe 1 débute séance à 14h, donc on est à moins 10 dans les voitures s'il vous plaît. Groupe 2 du coup. Ouais, bof. C'est vrai ? Je sais pas, j'allais pas. Ça dort, hein ? Je chantais pas le truc. En fait, la première séance, j'ai fait que glisser. Et en fait, ça m'a niqué mon mood pour après. Allez, frère, mental, ça fait sur mental. T'inquiète. Mental, remets-toi dedans. T'inquiète, de toute façon, je vais te battre. De toute façon, bon choix. Tu vas pas partir de trucs comme ça. Ah ouais, t'inquiète. Ah oui. À tout de suite. Début de la Q1 dans 5 minutes, les gars. C'est le grand moment qu'on attend tous. Lucas qui part solo au groupe 1, Coco est dans le groupe 2. Time to shine. Petite prédiction sur le temps de Lucas dans cette Q1. Et Piello et Etienne qui sont rentrés. Etienne qui rentre avec une 46. Le Bouzeau aussi, une 45. Très bon temps qui va rentrer. On va pas épuiser les pneus plus que ça. Et on va voir Squeezie qui fait une 46 aussi, je pense qu'il va rentrer. Il y a beaucoup d'une 46 hein. Lucas fait une pause pour rentrer, pour qu'on lui fasse un débrief. Normalement il peut s'arrêter là, pas besoin d'user plus les pneus. Il est censé passer en Q2. Bah du coup je pense qu'il faut que tu fasses au moins un 47.5. Allez Coco, tu vas l'arracher la Q2 là. Fais ce que tu sais faire, je pense que tu sais faire. Ok ? Allez. Premier de cette grille et Gotaga qui vient de le battre avec une 48 suivi de SCH qui lui aussi fait une 48.1. C'est très serré. Putain, il a fait une 48.1 là. Allez voilà la montée au conf. Il lui fallait 14h, cagnard et des pneus neufs. C'est tout ce qu'il lui fallait à ce mec. Une sieste. C'est tout ce qu'il lui fallait. Une sieste générale. Il a fait du bien ouais. Incroyable ce qui se passe. Et je crois que Gotaga est juste devant lui en plus. Hein. Juste devant lui, il l'a pris en lièvre. Hein. C'est ouais. Ça, c'est Coco qui est devant. Hein. Gotaga qui va battre. Une 46. 46 144. Oh, il une se pose là. 46 le S. Gotaga qui a amélioré aussi à une 47. Mais où est Gilsy? 47-2 papa. C'est bon, il va là. Putain, yes. T'as pris tes marques, t'as pris ton temps, c'est super ce que t'as parfait, fait. Parfait mon ref, parfait. Les pneus, ils sont nickel. Pour moi, je pense qu'il faut partir tout de suite. Quand vous êtes intelligent sur la piste, vous créez votre gap. Je pense qu'il faut que tu roules et que tu... Oh non, ils vont prendre clean là. C'est bien, ça te fait une pause frérot. On gagne du temps, ça veut dire. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc la Q2, je vous rappelle, c'est les 16 meilleurs qui vont s'élancer à nouveau. Et à la fin de ces Q2, il en restera que 10. C'est les 10 meilleurs chronos. Allez, Q2. Vamos, vamos. Allez là.
Crash, Mister V, Gotaga sont en train d'améliorer leur premier secteur. Ils peuvent potentiellement aller chercher cette place de 10e, cette place de 9e qui les assure pour passer en Q3. On va voir ce que ça donne. Max. Non, faut pas signer Max, je sens vraiment lui quand même. Signe Squeezie. Signe juste. Il a dit il allait pas signer Max. J'ai pas dit que c'était une signature, c'est pour un souvenir aux gens. Allez Lian. Et là t'envoies un G mon pote. Lian se balade, la première personne tu t'entends Elian. Tu te démerdes comme tu veux, ouais. Tu dis viens ici, viens, viens, tiens, tiens, tiens. Ouais, t'as raison. Ouais mon frérot. Non, c'est Elian on a dit. Comment ça se passe jamais. On va faire le tour 15 fois. Tu dis de gros flop. Bon. Ok. Agite un peu la balle, ça va les exciter là, ils vont dire waouh. On est doublement à fond. Lian, je te pensais un peu plus connu que ça quand même. Oh, enfoiré. Ouais, viens, 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 viens. Bon, ça s'est pas bien passé. Le premier coup. Vraiment pas. Mais Elian est sur le dossier. Deuxième tentative. Du signe de... La part de Squeezie. De Squeezie, ok. Trop nul mon cul. Frère. Oh là-bas, tu vois, je le sens bien là-bas. Putain, je crois que je dois filer, frérot. Non. Je te jure. Attrape quelqu'un, attrape quelqu'un. Attrape quelqu'un n'importe qui. Ouais, direction le plateau. Là, là, les deux meufs, les deux meufs. Ça marche, bisous. Vous voulez une balle de tennis signée par Squeezie? Oui. Allez, te rate pas Elian, hein. C'est cadeau. Non. Mais Elian, wesh. Mais c'est dingue les trucs comme ça. Ouais. Let's go. Encore une affaire rondement menée par la G-Corp. Pour une... La Maxim Corp. Une base de délice qui n'est pas du tout signée par Squeezie. Mais cette personne ne le saura pas. Et on a fait une heureuse. Et c'est ce qui compte.
va? C'est bientôt fini. Voilà, je suis fatiguée là. 30 minutes où il n'y a pas de pause quoi. Ouais, et après on fait deux tours et ensuite tu me vois normalement au musée directement dans ton rétro en train de te mettre la pression et après je te prends l'intérieur garage merde. Et soit on va te laisser dans le bac, soit tu me laisses passer donc tu choisis. Ça c'est une mauvaise mentalité parce que ça va te porter la poisse en fait. Parce que je suis la révélation de la journée. En vrai, le problème c'est qu'il y a Maxime Jacky qui vise quoi. Qu'est-ce qu'il a envoyé là? Oh, il m'a calmé. T'es 5? Moi, sache que j'ai un mental d'acier. C'est pas comme ça qu'on boit les... C'est de l'acier. Je bois. Ah, j'avais pas le... Okay. Exactement. Je crois que c'est l'aluminium, mais vas-y, c'est pas grave. Il est allé en Q2 quand même. Q2, et ouais, ma boîte de vitesse a lâché. Tellement chiant. Vraiment? Ouais. Mais t'aurais pu faire P10 en fait. Oui. Tu fais encore plus peur, mec. Bah ouais, mais ça m'a baisé, frère. Oh non, en fait, tu me dis ça avant la course. Bon, arrêtez de me prendre pour un petit. Non, mais en fait, tant que tu fais attention au mur, au feu et à ta voiture qui arrête pas de se casser toute seule. Ouais, c'est vrai, putain. Quand j'ai vu ma boîte de vitesse. Oh non, encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est qu'il attendait que ça. Il l'a fait, il l'a fait, mais tellement bien. Il m'a fait. Tu me fais, ça hein. Fait beaucoup là, non? Ah, je vais la faire en live, bien, je vais la répéter. Merci. Bien joué. Voilà, je ok, briefing. Briefing, les gars. Ok, d'ailleurs, je me rends compte que c'est notre dernier briefing. Ah, merci beaucoup, voilà, la pression quand même, la course. Gestion des pneus. S'il vous plaît, gestion des pneus, la course, elle va être longue, ok, 15 tours, ça va être long. Oui, tu ne pourras pas passer aussi vite dans les virages, tu ne pourras pas freiner aussi tard que ce que tu faisais au début. Si quelqu'un d'autre m'a filmé, je passe vraiment pour un con. Moi, je t'ai filmé, moi. Parce que là, il ne me regardait absolument pas, moi. Notre objectif, c'est clairement de finir la course. Faites-vous le plus plaisir, vraiment la profiter. On a bossé ça maintenant pratiquement pour arriver à ce moment précis. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Salut Pierre, juste une petite question, qui va finir devant Gilsi ou Gotaga? Hey, j'espère qu'avec les conseils à Gilsi, j'espère qu'il va faire le taf. Après, Gotha, j'ai vu, il a progressé. Hein. Je lui ai dit un mot là tout à l'heure, j'ai vu les lignes, j'ai vu la qualif. Je pense Gotha, il va aller chercher, je pense. C'est validé, merci Pierre. Je tremble de bonheur. Je viens d'interviewer Pierre Gasly, je tremble de bonheur. Ça a toujours son petit effet. Hein. Ah ouais. Je viens de demander à Pierre Gasly qui allait finir devant entre Gilsi et toi. Il pense que c'est toi malgré qu'il coach Gilsi. Voilà. Donc tu ne peux pas le décevoir. On fait escape dans une minute. Tous les pilotes en voiture en urgence. En urgence. Allez, coucou. Maxime.
Maxime. Ils vont pas pouvoir sortir. Ils vont pas pouvoir sortir. Ça va être le drapeau rouge. Ça va être le drapeau rouge qui va être sorti. Oh là 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 là, ça s'est touché. Ça s'est touché entre Maxime et Manon. C'est safety car. Deuxième tour, safety car. Et là, ça va remettre les pendules à l'heure, la course en jeu. Vous allez voir que le volant part extrêmement fort, c'est drapeau rouge. Drapeau rouge pour, pour la direction de course, c'est-à-dire que toutes les voitures vont rentrer, il n'y a pas de... Oh, ils me mettent l'alarme à l'œil. Ils mettent l'alarme à l'œil parce que... Allez frérot, allez, tout ça. Allez gros carton, je m'en bats les couilles. Allez, je m'en bats les couilles le frère. J'ai des balles de tennis pour toi si tu veux. D'accord, oui, donc là on nous dit, hein, la direction de course nous informe que les voitures vont vraiment rentrer dans les stands. Mais du coup là il doit attendre 5 minutes. Ouais, c'est 3 minutes, il vient de mettre le panneau. 3 minutes, ils ont changé. Je te laisse te remettre dans ta course. Allez Coco, focus. Fais attention. Hey Coco. Allez, serre. Allez les amis, ça va repartir. Allez. Accrochez-vous, c'est dommage pour Manon et Maxime. Mais la course doit continuer. Et c'est reparti pour ce GP Explorer, deuxième édition. Et c'est reparti les amis, on y va. Et là attention, on a une bataille, hein. On a une bataille. Je sais pas c'est entre qui et qui. Et bah là j'ai l'impression que c'est... est-ce que c'est pas Gotha et Mister V? Ouais, c'est Gotha et Mister V. Mister V qui tient, il défend pour l'instant cette deuxième place qu'il vise en plus Mister V. Exactement. Mais Gotha il va pas lâcher. Il a Gotha. Gotha qui a poussé Mister V à la faute. Mais il revient, il repasse. Ah quelle bataille, oh, quelle super bataille, c'est un kiff total. Gotaga. Gotaga qui tente de mettre la pression, il est juste derrière. Attention, oh là à la relance. Oh là là. Oh, ça s'est presque touché. Il met une pression de fou Coco. Allez, il faut envoyer. Tu mets le pied à fond, tu passes la sixième. Gotaga qui se rapproche de plus en plus. On voit que sur la chicane Dunlop, il a un peu plus de vitesse, il garde la corde. Il va peut-être pouvoir relancer un peu mieux. Soit on va te dans le bac, soit tu me laisses passer. Donc tu veux que je... Ouais, attention. Il va se porter sur le côté. Il va être de front. Il va passer ou pas? Est-ce qu'il va passer? Ils sont de front. Arrivé au virage du musée. Mais il passe. Il va passer. Il a fait French Monster, sublime! Oh là là, incroyable! Quelle bataille, Gotha! C'est tout droit! C'est tout droit pour De Piello! Et oui, le pilote, Racer, by Piello, Alpine! Qui va finir cette course en étant le deuxième gagnant du GP Explorer! Du bruit pour De Piello qui a complètement éteint la concurrence cette année! Quelle course incroyable! Quelle course incroyable! Thank you.
le max. Gros, c'est toi qui as fait tous les événements. Que toi. J'avais des open, mais c'était trop dur de les dépasser. C'était trop bien. On a eu ton dépassement, on a tout eu. T'as rattrapé Théodore à une vitesse, frère. Il avait 2 secondes 7 sur toi. Tu l'as rattrapé en 1 tour et demi. Ça va, toi ? Les gars, si vous voulez, mettez-vous sur le périmètre. On va vous faire le point des plus d'accord. Pierre Gasly, accompagné d'Esteban Ocon, le trophée du GP. Au nom de tout le monde ici, on s'est régalé. Je suis fier. Cette écurie Gentlemate, GP Explorer 2, les garçons. Bon, on n'est pas aussi bon que nos joueurs. Ah putain, mais bah, ils vont changer de structure. Vous dire, bah, les gars, quand vous allez au fond, c'est P7, P11, c'est quoi ça? Bah ouais, les gars, on peut pas tout gagner. Mais on a tout donné. Salut Coco, fin du GP. Ouais, t'as kiffé? Ouais, c'est comme d'hab. Un régal, t'as fait les 20, hein? Toi ouais. T'as fait les 2 ouais, je le dépose au Wilson. Non, une petite non. P là, une P. Il m'a éteint grandement et frérot, je peux que te féliciter. C'est même pas en mode. Il n'y a pas d'excuse, il m'a mis une P, frère, ça y est. Là, le safety car il est parti, il m'a mis. Le safety nous a mentalement éclaté. Mais j'ai quand même gagné, heureusement. T'as gagné. À un moment, je te voyais plus, j'étais en mode non, me dis pas qu'il est parti dans le bac, là, je suis en train de l'éteindre. Non, t'étais juste très rapide. Ok. Bien joué Coco. Petit mot de la fin pour conclure ce vlog. Bah merci à tous d'avoir suivi. Désolé à ceux que j'ai déçus. Je suis quand même content dans l'ensemble de la course, mais oh non. Non, je peux rien dire parce que t'as fait un beau truc quand même. S'il n'y avait pas cette tour en moi, elle était juste devant. Je l'ai rattrapé au fond. Ah oui, non, je voulais pas te dire que ma copine est meilleure que toi, mais t'as battu Mister V proprement. Franchement. Il y a eu Mister V, Théodore, je m'en suis occupé aussi. Après, il y a 4 salles devant moi. Ah mais un tout chat. À la prochaine. Ouais, c'est ça. T'es plus un youtubeur que moi maintenant, tu fais les outros, mec. Je suis mort. Merci tout le monde. Et peut-être à l'année prochaine si un GP. Peut-être pas, je sais pas. La team en tendance, ouais. Let's go. Vas-y, porte-la, monsieur, je vais à la salle, là. Je prends la cam aujourd'hui pour vous parler d'un petit projet. Ah, voilà. Par contre, ceux qui mangent ces bonbons-là, ils ont pas trop le droit d'écouter Romain. Oh, mais t'es trop dur. Bien sûr, oui, hein. Oh, attends, appuie avec